Sacrifier un jour férié pour les personnes âgées, c'est donc une proposition de La République En Marche dans le cadre du Grand Débat. Bonjour Jérôme Talon, vous êtes délégué En Marche du Gard. On va commencer avec vous. Vous trouvez qu'on a trop de jours fériés? Il faut les donner gratuitement pour la bonne cause? Bonjour. Déjà, je ne parlerai pas de sacrifice. Dès qu'on parle de sacrifice, c'est tout de suite opposer les camps. Donc cette proposition qui émane de La République En Marche, elle est dans le cadre du Grand Débat. Et c'est effectivement une des mesures qui est proposée. Alors, je vois qu'elle est sortie en exergue, et c'est important d'en discuter. C'est pas la seule des propositions. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la dépendance, il faut la financer. Et jusqu'à preuve du contraire, on aura de plus en plus de personnes âgées qui auront besoin de soins, qui auront besoin aussi d'être accueillies dans des EHPAD. Alors, il y a évidemment la question de la construction des EHPAD qui est importante, mais aussi le financement du fonctionnement de ces EHPAD. Et quand on connaît... C'est une taxe déguisée ? C'est pas une taxe. C'est pas une taxe, parce qu'une taxe, il faut être clair, c'est on vote un taux, on l'applique. Impôt ? Non, c'est pas un impôt, non, ce n'est pas un impôt. On peut pas dire que ça soit un impôt. C'est une participation solidaire à un effort national qui concerne tout le monde et qui va concerner tout le monde à l'avenir. Alors, on va voir si Pascale Le Néouni, qui est avec nous, pense que c'est aussi une contribution solidaire. Bonjour, vous êtes candidate sur la liste de la France Insoumise pour les européennes et vous êtes aussi une salariée. Est-ce que vous êtes prête à travailler gratuitement pour les papiers et les mamies? Écoutez, d'abord, il faut revenir au sujet. Le grand débat, c'était quoi? C'était le prolongement de la mobilisation des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes n'ont jamais proposé ça. Ils proposaient le rétablissement de l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune. Donc, ce que fait En Marche, c'est de priver, j'ai envie de dire, les salariés, l'ensemble des citoyens, d'une manne qui était ponctionnée sur ceux qui sont les plus riches de ce pays. Et dans le même temps, il nous explique que pour financer aujourd'hui ce qui est la perte d'autonomie, on va demander un effort aux salariés. Donc la solidarité, c'est d'abord de prendre sur ceux qui ont les moyens de contribuer. Donc soit on rétablit l'ISF, qui était une revendication des Gilets jaunes, qui est une revendication toujours d'actualité, plutôt que d'aller prendre dans celles et ceux les poches de ceux qui aujourd'hui ont déjà des problèmes de fin de mois. Mais l'ISF ne peut pas tout financer. En ce moment, on entend beaucoup, on va remettre l'ISF pour financer ceci, pour financer cela. Et commençons par ça. Commençons par ça. L'ISF, c'est 3 milliards. C'est réducteur de parler que de l'ISF. D'abord, les revendications des Gilets jaunes allaient bien au-delà de l'ISF. Donc, je trouve que c'est réducteur de parler de l'ISF. Votre proposition d'établissement. La proposition de rétablissement, je pense que clairement, c'est une piste qui est à l'étude. Alors, tout de suite, elle émane aujourd'hui d'une direction politique. Mais comment priver le droit aux marcheurs de réfléchir? Les marcheurs ont réfléchi de leur côté. Nous avons une plateforme. Nous aussi, nous avons travaillé dans le cadre du Grand Débat. Alors évidemment, il y a eu les débats citoyens, mais il y a aussi les débats internes à En Marche. Et ce sont des citoyens qui sont engagés chez En Marche. Je vous invite à venir voir les réunions d'En Marche et vous verrez ce que c'est. Mais Jérôme Talon, combien ça pourrait rapporter? Est-ce que vous avez fait un chiffrage ou est-ce que vous avez juste lancé l'idée comme ça? L'idée a été uniquement lancée, tout simplement, parce qu'on va prendre la preuve, par exemple, des chiffres. Une journée, c'est 2,4 milliards. Donc on imagine que deux journées, ça peut faire 4,8 milliards. Donc... Le but, c'est d'arriver à ceux qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois. Mais on ne prend pas tout le temps à ceux qui arrivent pas à finir leur fin de mois. D'abord, la base de l'assiette, c'est effectivement les salariés. C'est pas que les salariés d'ailleurs, parce que les retraités cotisent aussi. Et donc, on peut imaginer qu'il y a une partie qui soit prise sur la CASA dans ce financement. Ça ne concerne pas tous les salariés, pardon. Bien sûr que ça ne concerne pas tous les salariés. Actuellement, les travailleurs indépendants, les professions libérales ne font pas cette journée de solidarité. Tout à fait. C'est uniquement ça repose sur les salariés essentiellement. C'est la plus grosse assiette, évidemment. Mais il y a d'autres façons aussi de financer. Ça, c'est une des mesures. On met un phare sur une mesure, on le conçoit. D'abord, encore faut-il qu'elle soit adoptée. Je le rappelle, elle est mise en débat par La République En Marche en interne. Je ne suis pas sûr qu'elle soit retenue. Il y a peut-être d'autres pistes qui vont être retenues. Il y a une piste dont personne ne parle, on l'a pas vu passer, mais moi je vous le dis, elle est importante, c'est d'augmenter l'IFI. Parce que tout le monde parle de la suppression de l'ISF, personne ne parle de l'IFI. C'est-à-dire l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ça aussi, là, dans la réflexion, dans les propositions de La République En Marche, c'est une augmentation aussi de l'IFI. Ça, par contre, évidemment, les adversaires politiques n'en parlent pas, et pourtant, c'est une mesure qui est à l'étude. Je ne vous dis pas qu'elle va être retenue, tout comme la deuxième journée de solidarité. Par contre, nous proposons... Ce qui est important, c'est de proposer en politique. Se parer derrière des postures de dire on supprime, vous supprimez, donc vous ne financez pas, c'est pas bon. Vous savez que ce n'est pas sérieux. Je crois qu'il faut vraiment donné dans un débat, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Il y a une mobilisation qui s'est faite importante autour des Gilets jaunes, qui a proposé à peu près
de propositions, y compris sur la question de la redistribution. Il y a un an et demi, En Marche supprime l'ISF, 3 milliards et demi, et dans le même temps augmente la CSG pour financer le travail. Et aujourd'hui, on demande au travail de financer nos aînés et l'entrée en dépendance. Donc il y a un peu un jeu idiot. Comment est-ce qu'on se retrouve dans une situation où aujourd'hui on dit on manque d'argent? Et bien on manque d'argent pourquoi? Parce qu'on ne va pas chercher l'argent où il est. La fraude fiscale dans ce pays, c'est 80 milliards. Taxer un peu plus, nous on propose 0,5 ou 1% sur les actionnaires, ça peut rapporter jusqu'à 2,5 milliards. Donc il y a plein de pistes. Mais le problème, c'est fiscale, pourquoi est-ce que c'est la toujours... tarte à la crème. C'est la tarte à la crème. La fraude fiscale, tout le monde depuis des années parle que de fraude fiscale et qu'il fallait la combattre. Quelles sont vos propositions pour combattre la fraude fiscale? Laquelle? Comment? Parce que la fraude, par définition, c'est quelque chose qui est difficilement palpable. Elle est estimée, mais c'est difficilement palpable. Donc comment vous faites pour sur la dépendance et sur la difficulté justement à financer la dépendance? Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement le nombre de seniors en Occitanie vont augmenter. Actuellement, c'est 1,6 million. On estime seniors, hein. 1 million de plus en 2050. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, la perte d'autonomie, c'est aussi des situations de vie. Mais quelqu'un qui est au travail, qui a un accident du travail, c'est aujourd'hui 300 à 400 décès. C'est des milliers de personnes qui se retrouvent en situation de dépendance et en perte d'autonomie. C'est tout cela. Et aujourd'hui, on propose, par exemple, d'arrêter les allègements de cotisations parce que le salaire différé, c'est aussi ce qui permet de financer la sécurité sociale et donc une débranche de la sécurité. Mais on sait aussi que la population, c'est pour ça que nous avons les cotisations non seulement des entreprises mais aussi des salariés, parce que nous pensons que la priorité c'est l'emploi et que c'est parce qu'il y a des salariés, parce qu'il y a de l'emploi que derrière les cotisations rentrent et que derrière nous pourrons financer toutes nos mesures sociales. Il ne faut pas inverser les choses. On demande du social sans avoir les moyens de le payer. C'est pas vrai. Bien sûr que si. C'est toujours pousser la dépense, alors que ce qu'il faut faire, c'est aller chercher la recette. Donc pour trouver de la recette, il faut qu'il y ait l'emploi en France. C'est ce que nous avons fait depuis un an et demi dans toutes les mesures que nous mettons en place. Ce qui est proposé par la République En Marche, encore une fois, c'est une façon de redistribuer la richesse à faveur de l'emploi. Jérôme Talon, cette piste ne fait pas l'unanimité au sein de la République En Marche. Je confirme que ça ne fait pas l'unanimité, cette piste-là. C'est pour ça que je vous dis que c'est un débat qui existe. Mais rien n'est tranché. Nous participons dans le cadre du grand débat en interne. C'est normal que les adhérents de La République En Marche aient réfléchi. Des propositions du groupe La République En Marche, Stanislas Guérini l'a dit, elles vont être soumises au groupe à l'Assemblée nationale. Nous allons en rediscuter. Nous le laissons sur la table. On ne s'arrête pas au 15 mars parce que le grand débat est fini le 15 mars. C'est des propositions pour la France, pour continuer à avancer. Donc cette mesure-là, je vous le dis encore une fois, c'est une des réflexions qui est menée. Mais nous posons sur la table des propositions et derrière nous travaillons dessus. Non, mais sur les propositions, on peut vous renvoyer. Par exemple, le Portugal avait supprimé 4 jours fériés. Ils ont rétabli ces 4 jours fériés. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que, justement, les jours fériés, c'était au jour aussi de l'activité en plus sur un secteur qu'on connaît bien ici, qui est le tourisme. Et donc, la situation, c'est qu'en fait, au Portugal, on a une baisse du chômage, une baisse des déficits et une augmentation de la qualité, parce que l'objectif, ça a été de redistribuer et pas de pénaliser ceux qui travaillent. Je le rappelle, aujourd'hui, les salariés, dans l'imaginaire, si on veut calculer, c'est 26 jours de travail donnés aux actionnaires. C'est-à-dire, on travaille pour payer les actionnaires. Mais c'est encore une fois, vous opposez les gens. Laissez-moi finir. On laisse Pascal Léouanic terminer. Il y a 20 ans, c'était 10 jours. Qu'est-ce qui empêcherait, pour financer la solidarité, de dire on prend un jour aux actionnaires? À chaque fois qu'on parle des actionnaires, ils montent sur leur grand choix en marche comme si on s'attaquait à leur précaré. Non, vous n'êtes pas le représentant des actionnaires. Vous avez été élu en marche pour vous occuper de l'ensemble de la société française. Et ce que vous faites, c'est que vous passez votre temps à opposer tout le temps. C'est vous qui opposez. Et justement, je vous dis qu'il faut discuter sur toutes les idées. C'est parce que vous êtes au pouvoir. Vous êtes réducteur dans ce que vous proposez. Allez, on a entendu les deux pistes, les deux visions. On ne tranchera pas, ça c'est sûr. Mais merci à tous les deux d'être venus. On tranchera dans les urnes le 26 mai. Merci, ça c'est pour les Européennes. Merci à tous les deux d'être venus participer à ce face-à-face sur cette question autour de cette journée de solidarité. On va passer à la deuxième partie de ce Dimanche en politique.